Donc c'est un salon des formations post-3e, donc destiné aux élèves des collèges du district et aux élèves des 3e prépa pro aussi du district. Donc sont représentés ici 21 établissements qui essayent de représenter un panel assez large des formations. C'est l'occasion aujourd'hui pour les élèves de 3e de trouver toute l'information nécessaire à la construction de leur projet après la 3e. Ils ont commencé déjà à réfléchir puisqu'ils ont déjà dû rendre des intentions d'orientation, mais il y en a encore certains qui hésitent et puis justement aujourd'hui c'est l'occasion pour eux d'explorer différentes pistes possibles. Il y a des stands à la fois pour la filière générale et technologique, donc il y a un stand seconde générale et technologique. Chaque bac est représenté aussi sur un stand, c'est-à-dire il y a un stand pour le bac scientifique, un stand pour le bac littéraire, un stand pour le bac ST2S, enfin vraiment tous les bacs sont représentés au niveau de la voie générale et technologique. Et après, tout autour, il y a des stands sur la voie professionnelle, donc avec, en fonction des domaines, par exemple dans le domaine de la mécanique ou dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, avec des CAP et des bacs pro qui sont représentés.